À Cancan, on ne compte pas moins de 12 médias dans le paysage médiatique. À cela s'ajoutent de nombreux correspondants. Ces journalistes exercent leur métier dans les difficultés telles que rétention de l'information, attaque de la part des citoyens, des hommes en uniforme et le mauvais traitement des journalistes de la part des patrons. Le journaliste est confronté souvent à d'énormes difficultés dans l'obtention même de ce qui est son dû, qui est l'information naturellement. Il y a un refus catégorique de collaboration quelque part de la part des autorités ou aussi de la part des services techniques qui se disent qu'il ne faut pas communiquer un certain nombre de choses aux journalistes. Il faut que les patrons pensent à bien traiter, traiter ou en tout cas traiter leurs employés. On ne peut pas comprendre qu'un patron, par exemple, de radio puisse se contenter de la subvention que l'État lui octroie et que lui, il garde ça, hein, sans partager et puis laisser ses employés sans rien. La floraison des médias à Cancan crée la concurrence. Le directeur de Gioma FM apprécie cette concurrence dans la corporation. C'est tout à fait normal. Nous tendons vers un monde de l'excellence. Et pour ça, il ne s'agit pas d'avoir seulement dire qu'il y a tel ou tel média. Mais quand il y a la concurrence aussi, ça y va dans l'avantage des hommes de médias. Le point focal de la Haute Autorité de la Communication a dénoncé des bavures commises par les journalistes dans les radios. Il arrive des fois que nous constatons des petites erreurs, des petits manquements, mais, comme je le dis, qui ne sont pas vraiment de nature à compromettre le fonctionnement des radios. Et quand c'est le cas, nous arrivons dans les différents médias pour leur faire des remarques. Contrairement aux années précédentes, aucune activité n'a été prévue par l'Association des journalistes de Cancan à l'occasion de cette journée internationale de la liberté de la presse à cause de la crise sanitaire due à la pandémie Covid-19 qui fait des ravages à travers le monde depuis près de 2 ans.